La journée internationale de l'environnement, telle que nous l'avons participé à cette activité ce matin, c'est pour conscientiser les élèves, surtout au niveau de cet établissement, quant à l'importance de l'arbre dans la vie de l'être humain. Parce que l'arbre nous apporte beaucoup de choses. Et je pense que les spécialistes de l'environnement ont parlé de ça. Et éventuellement ont parlé de ce qui pouvait nuire à l'environnement de l'homme. Et l'arbre fait partie de ces plantes qui contribuent à la bonne santé de l'homme. Parce que l'arbre nous sert d'ombre. Et l'arbre, pour certains, nous sert à nous soigner. Donc c'est une très bonne activité. Mais ça permet aux élèves de prendre conscience. Parce que nous constatons ça et là que les arbres sont abattus au gré des riverains. Et c'est des comportements qu'il faut changer. Moi, je suis très heureuse qu'on en ait choisi ce site. Parce que quand on y vient, on voit qu'il n'y a aucun arbre de planté. C'est un vide total. Et la journée de l'environnement, justement, c'est pour faire état de tout cela. Hein, nous obliger à planter plus d'arbres pour régénérer l'air, parce que l'air est vraiment pollué, hein, surtout à Pointe-Noire qui est notre capitale économique. Il y a beaucoup d'industries et tout ça. Et comme le thème le dit cette année, il nous faut donc un environnement sain, un air pur pour pouvoir vivre correctement dans un environnement sain. Il va falloir protéger ces arbres. De sorte que bon, ils ne puissent pas être à la vindicte des passants et tout ça. Donc, c'est ce que je vais proposer aux amis de la direction de cette institution.